peux me démolir, Flore, la présidente, j'ai souffert. Il y a des jours comme ça, là, tu ne sais pas. Je suis quitté l'Afrique très jeune. What? Coco. Je suis quitté l'Afrique très jeune. Tu penses. Tu ne parviens pas à dormir parce que, bon, ben voilà. Chaque jour, quand Darko se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Oh, wow. Un mec fou comme le foufou. Fou comme le foufou. Ouais, c'est quoi? Y'a quoi? Ha! Oh, wow. Dégâts! Y'a quoi encore? Maman! Quoi? Aïcha, c'est quoi encore? Bon, qui va alors nous expliquer ça? Point d'interrogation. Fengon, c'est quoi? J'en ai marre! Merde là! Ouais, qui va alors nous expliquer? La mère! Tu peux nous expliquer ce qui se passe là? Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Yeah. Vraiment, je suis étonné. La mère! Hey, le monde part en couille! No. Ok, la mère, tu m'entends? J'ai du mal à imaginer ce que ça. Ok, la mère, je demande ce qui se passe entre Fingon et sa femme. Aïcha, s'il te plaît, explique-nous alors, c'est quoi le problème? On vous demande de donner les plantains, de pinchon doucement. Hey, je ne comprends pas vraiment, hein. Vous consommez le poutrou, vous prenez les enfants des gens, vous faites 4 heures sur elle. Comment tu veux qu'elle t'oublie? Quoi? Aïcha, je parle de l'affaire de Madame Fingon. Ouais, Madame Fingon, la base, elle n'a pas de problème, hein. Son problème, c'est qu'elle veut que Fingon vienne lui donner le plantain. Quoi? Hey, donc tout ce qu'elle raconte là, c'est seulement pour le plantain, ma soeur. Donc tout ce que vous avez vu sur Facebook là, que wow, non. Son problème, c'est son gars. Non, attends un peu, je vais un peu lui demander. Ma soeur, c'est vrai ce qu'elle dit là? Je réclame mes dûs. Que quoi? L'escroquerie que tu m'as fait, les autres, ce que j'ai eu à te donner, hein, je laisse ça tomber. C'est pas vrai. Mais les abus que tu m'as fait là, comme cette voiture, je t'ai pas donné. C'est une escroquerie que tu m'as organisée et bien fait. T'es trop bête. Aïcha, tu as bien entendu ce qu'elle vient de dire, non? Ton problème, c'est qu'elle veut que Fingon vienne lui donner le plantain. Tu manques. Ça, Aïcha, tu as eu l'information là où? Tu comprends que Fingon a bien piné Sanga. Que quoi? Tu comprends que Fingon a bien piné Sanga. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Hein, Aïcha? Et Noël Kémoué alors? Et maintenant, comme elle est en train de voir que son plantain est en train de disparaître, que Noël est en train de se sucrer sur son plantain, ça l'énerve! Elle décide alors qu'elle va tout chakala! Ah, dis donc! Tu es ma déception! Yeah, jamais! La fille, si tu n'es pas seule dans ta tête là! Pourquoi est-ce que vous avez la diarrhée cervicale sur les réseaux sociaux que quand un dossier tombe? Vous vous empressez de venir dire de tout et de rien. C'est de la gâchis. Pour porter atteinte à l'honneur, à la dignité d'une personne qui ne vous demande rien, qui ne vous a rien fait. Eki, mon frère, nous restons seulement sur Facebook et ça vient nous trouver, non? Non, des balles seulement. Ça, c'est clair. Donc, vous comprenez que d'autres n'ont même pas les cerveaux, hein. Ah bon? Ils sont comme les sardines. Va en bout, savez ça, madame. Aïcha, là, comment tu me dis que pleurer les yeux comme un enfant? Je pleure ma souffrance, ma chérie. Aïcha, là, comment tu peux me détruire? Tu peux détruire la vérité, Aïcha Nakamoua. Tu penses que tu peux détruire une femme qui ne dit que la vérité? Tu penses que tu peux me détruire, moi? Moi, elle a dit que quand ça vient sur Facebook, c'est là que moi je récupère. Fous le camp! J.N. Aïcha Kamoise. Le nom d'une des anciennes Wologos, Aïcha. Ah, maintenant tu l'insultes. Si elle te donne, tu ne prends pas. Donc je peux chier, je pisse sur ça. Quoi? Ok, pourquoi tu pisses sur ça, bro? Pour moi, c'est tellement fade. Hey, Tchame! Hey. Quitte là-bas! Pause publicitaire! Tu es promoteur culturel, tu es artiste et musicien, producteur ou réalisateur ou encore écrivain. Vous cherchez une belle salle pour présenter vos œuvres. Contactez rapidement les Las Vegas situés au niveau de Pont Emana à Messassi, derrière Amouba, à Yaoundé. Vous voulez organiser également vos événements tels que le mariage, le baptême, l'anniversaire ou d'autres événements. Contactez les Las Vegas pour la location de la salle. Une salle climatisée avec des jeux de lumière importés. Les Las Vegas met à votre disposition un DJ, des couverts,
un tapis rouge et des chaises royales. Les Las Vegas, c'est également l'hébergement, la restauration et un snack VIP pour vos divertissements. Contactez rapidement ce numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Mon frère. Bah voilà, c'est plutôt ma soeur. De toutes les façons, ma soeur, explique-nous un peu pourquoi tu veux tout récupérer chez Fingo. Ce dernier parcours de jalousie m'a frappé à mort. J'ai dit j'allais mourir. J'ai vu la mort sous mes yeux. C'est une erreur fatale. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai sauté de la voiture. C'est parce qu'il est marié. C'est vrai. En vrai. Tellement il m'a bastonné. J'ai cru que j'allais mourir. Quoi? N'importe quoi. Ah. Tellement il m'a bastonné. J'ai cru que j'allais mourir. Oh wow. Vraiment les gens s'amusent. Ouais. C'est normal non grand. Quand une femme prend sur elle le risque d'aimer un comédien, surtout un célèbre comédien comme Fingon, c'est normal que ça t'amuse. Vraiment c'est malheureux. Non, c'est déçoignant, je suis déçu. Bon, Fingon, tu nous dis quoi face à toutes ces accusations? Des fois, dames et messieurs, il y a des gens qui font des choses, qui disent des choses. Mais dans tout ce que nous faisons, ayons la crainte de Dieu. Quoi? Mais dans tout ce que nous faisons, ayons la crainte de Dieu. Jesus! Hey, j'espère que tu as vraiment la crainte de ce Dieu-là, grand. Tu es toujours en train de faire le constat. Ta bouche qui parle trop. Oh, non, mon tonton. Je dis aussi seulement, non. Bon, ma soeur Flore, un dernier message à Fingon. Et va sur toi, là. Ce que j'étais tatoué ici avec mon nom écrit sur sa fleur brésilienne. C'est la magie. Efface. Quoi? Parce que c'est sur toi. T'es trop bête. Le lion que j'ai dessiné sur toi, j'ai cru que tu étais un vrai lion. Je savais pas que le lion que j'ai dessiné sur toi, c'était pour m'avaler. Ah! Donc va effacer ces lions sur toi. Non, c'est pas possible. Quand femme est bête, hein. Non, vous comprenez que d'autres n'ont même pas les cerveaux, hein. Ah! Femme! Donc comme les sardines. Vous aimez voir avec les yeux. Et le nom fleur brésilienne que j'ai collé sur toi va l'effacer. Là. Parce que dès qu'on vous parle, dehors, c'est rien. Je maîtrise. En tout cas, grand, bon appétit. Hein? Les choses des grands restent seulement pour les grands. Vos yeux alors vu, non? La bouche de Flore, c'est vrai, pas bon. Flore, fais-nous un peu un petit a cappella là, hein, pour clôturer l'édition. On m'avait prévenu, mais je n'ai pas cru. On m'avait conseillé, mais je n'ai pas écouté. On me disait que c'est toi qui me trahiras. Aujourd'hui, je vis la réalité. Tout ça, c'est le manga, hein? Seigneur, jusqu'à quand? Je croyais que notre amitié était sincère. Je n'ai pas voulu écouter les ondits. Je n'imaginais pas que c'est toi qui allais me poignarder dans le dos, mon ami. Au revoir. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Ok, si la vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de liker, de partager, surtout de me laisser un commentaire. Abonne-toi hein, pour ne pas rater d'autres éditions. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.